Ah, ils sont là, les autres. T'as trouvé un truc, Bachir, t'as trouvé? Oui, et les groupes des Roches, ils avaient les pieds de biche. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais, ils ouais, sont ouais, là, ouais, du coup. Et là, ils ont réussi à ressortir. Oh, il ne faut pas lâcher de l'œil la pièce jaune. Parce que s'ils rentrent avant nous, c'est nickel. Vas-y, go, go, go. Vas-y, moi, je vais. Vas-y, on va les surveiller, on va les surveiller. Il faut vraiment trouver Bachir, t'as prévenu les autres? J'ai prévenu les filles, et c'est tout. Ok. Les filles, elles se sont faites niquer aussi avec des lampes torches par les Roches. Elles sont où là? Non, elle est où, Kirby? Elle est vers la pièce jaune, je l'ai laissée, mais ils se sont fait niquer. Hein. Elles sont là-bas au fond, tout au fond. Je sais pas si t'as la vue. Non, mais attends, on doit. Non, je crois que t'as pas compris, Bachir, le problème. Ouais, c'est quoi? C'est qu'il faut sauver les filles. Oui, parce qu'ils vont les braquer, ils font que les braquer. Mais faut y aller, on y va. Allez, d'accord, on frappe direct alors. Viens les garçons, c'est urgent. Venez, faut qu'on frappe les filles, faut qu'on. Vas-y, nous dis-le. Eh, faut qu'on sauve les filles là, elles sont en train de se faire braco. Bec. De quoi? Eh, préparez-vous à vous battre, arrêtez. Il y a personne là, tu veux qu'on se batte contre qui? Il est braqué avec le cocktail Molotov. Quoi? Oh, les filles. T'inquiète d'être débile. On va passer les soirées complètes à se défoncer la gueule un peu. C'est vous nous avez couru après, vous nous avez rentré dedans. Mais man, Criez pas. C'est bon, y'a personne qui va s'abattre. Tranquille, c'est bon. Eh, attends, man, on va remettre l'église au milieu du village, là, y'a un problème dans ce que c'est tu John, dis. Ça, ok. Vous l'avez chopé, vous l'avez traîné là-bas dans le fond, et vous lui avez fait du sale. John, on dirait vraiment... Thomas. Oh les gars, s'il vous plaît. Vas-y, venez, on travaille ensemble. Non mais les gars, stop. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'a pas le choix de faire une alliance, sinon on ne peut pas avancer. On est en train de se manger dessus. Non, mais faut qu'on frappe les autres. Venez. Merci Mika pour le 6 minutes. On rallie les causes ensemble. Et on réussit tous ensemble. Les gars. Les gars, vous voyez tout ce qui se passe, des trucs bizarres dans l'école. On est tous dans la même merde. Le directeur, c'était un assassinat. C'était un terroriste. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, man. Il se passe quoi là? Oh. On va pas attendre de crever un parrain. Il se passe quoi là? Bruit. Et qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui se passe? Courez pas, tranquille. Quoi? Oh! C'est dans le gymnase. Venez au milieu du gymnase, on va parler. Réunion. Non, mais comment ça? Tête d'homme, c'est pas au milieu du gymnase. T'as quoi, y'a quoi? Allez, venez, on discute tous là. Allez, Amine, s'il te plaît. Vas-y, Amine. Viens, on discute, Amine. Rapatrie ta bande et on discute. Vas-y. Non, vas-y, venez, on discute. Regardez. Je sais très bien qu'est-ce que vous pensez tous. Vous avez tous envie de trouver le mystère des élèves disparus, de ce qu'on a lu dans la bibliothèque tous ensemble. Mais si chacun essaie de trouver le mystère chacun dans son coin, voilà, je vous assure qu'on va juste crever. T'as bien raison, Bachir. Mourir. Le directeur, voilà. C'est l'assassinat. Il y a tous des gens bizarres. Le professeur de théâtre, pareil. C'est fils de petits, tous des gens bizarres. VND. On a lié tous les informations et on essaye d'enquêter doucement, tout en sauvant notre vie. Vous voulez quoi exactement, parler français? Non mais en gros, non, c'est pas... Contre, je sais pas si vous avez vu. Dis les choses concrètement. Ok, là. Je vais parler concrètement. Je sais pas si vous avez vu sur la pièce jaune, il y a le cadavre de Kaina, qui soi-disant avait été viré. Si vous ne me croyez pas, suivez-moi. Attendez. Donc soi-disant elle a été virée et là il y a son cadavre mort. Donc, c'est mais là, vous allez vous exposer. Ouais, non, c'est juste croyez-le sur parole. Juste après. Non, mais juste croyez-nous. Voilà, juste croyez-le. Croyez ce qu'on vous dit et vas-y. Vous nous montrerez après, vas-y, vous montrerez. Donc, après. Il faut absolument, impérativement, aller en dessous, voir ce qui se passe et s'il n'y a pas d'autres élèves qui sont cachés, d'autres corps. Donc, vous savez comment on fait pour y aller? Il fallait des piles biches. Ça, c'est fini, c'est bon. On a déjà ouvert. Maintenant, il manquait une étape, c'était les becs d'aigle. Ça servait à lever la trappe parce qu'elle est trop lourde. C'est ce qu'on cherche. Tu vois une pelle, c'est un peu une pelle, mais en bête. Une pelle qui servait à ouvrir la trappe qui est trop lourde. Si une pelle. On concentrait tous les efforts pour trouver ça, on va ouvrir la trappe. Je pense. Un genre de levier. Un bec d'aigle, ça s'appelait. Je pense qu'elle est dans la bibliothèque cachée. Ouais, mais il y a un problème. Je pense qu'en fait, il faut 4 becs d'aigle. 4 becs d'aigle? Ouais. Oui, bah il fallait 4 pieds de biche. Il fallait 4 pieds de biche pour ouvrir. Frédéric Bec BD aussi, non? Ouais, il fallait 4 pieds de biche, on a réussi à ouvrir. Ça y est, elle est décollée. Maintenant, il faut la déplacer. Pour la déplacer, il faut aller le back-day. Mais il en faut 4. Donc, les gars, moi, je propose un truc. On est 4 classes.
On se divise en 4, on fouille tous les requins. Ouais, mais le problème, non, le problème, c'est que, en fait, le problème, est-ce que c'est vous que avez la, déjà des la confiance. Attends, attends, attends. Non, le problème, c'est pas ça. C'est que si vous trouvez qui nous dit que vous allez venir nous redire. Non, mais on voit, on n'a pas le choix. Arrêtez de bête, c'est bon. De penser à... On est tous contre le direct. Voilà. Juste une question, juste une question. Faut qu'on arrête les nous contre nous. Venez déjà. Bah, nous, oui, on a rassemblé 3 classes déjà. Venez déjà pour vraiment voir si on peut faire confiance et qu'on vous en dise plus. On voit si sur vous avez un bec d'aigle ou pas, on vous fouille. Mais sans armes, nous. Genre, juste on regarde si vous avez un bec d'aigle. Si vous avez menti, on annule la. Moi, j'y chaque classe se mélange, on fait des trios avec chaque classe différente. Bah, vas-y. Mais t'as les chers camarades. Écoute, il faut apprendre à se faire vous confiance. Vous avez pas vu. Parce que j'ai vu le cassette. Faut faire des preuves, voilà, c'est ça. Écoute, faut faire des preuves, man. Et vas-y, sinon on va pas avancer. Vous allez pas me croire, mais j'ai vu le directeur tuer quelqu'un. Emma, il se barre tout, je suis sûr, ils ont. Vas-y, on va pas avancer. Yellow, pareil. Non, je pense. Oh, tu peux me fouiller. Tu sais, moi j'ai déjà donné plein de trucs à Aziz. Non, mais je. Je pense qu'ils ont les. Il faut vraiment s'allier, ils font de la merde avec leur ego, du merde. Il faut s'allier ensemble, les gars. Non. Je te dis, on a pris un pied de biche là. Ah, mais gros, moi si on a rien. Mon ami, sort de vous m'avez dépouillé, non, ouais, on demande juste à garder vos sacs, c'est tout. Les pieds de biche, je vais faire parler à John. Je sais. On peut même vous les donner, on peut vous en donner 4, 5, on s'en fout. Tu n'as plus besoin. Là, il y a besoin de bec d'aigle, ça c'est urgent. Frère, tu l'as agressé avec des cocktails molotov, gros, t'as pété un plomb. Zéro, on est sur le bec d'aigle. En fait, on pensait qu'il fallait juste les pieds de biche. Non, mais John, on a déjà ouvert. C'est déjà pas mal. Je peux venir avec moi, s'il vous plaît. Eh, viens voir John, s'il te plaît, je t'en supplie. Ouais, vas-y, gros, dis-moi. Oh, là, je vais pas te mytho, on va pas passer par quatre chemins. Mais je suis sûr qu'ils en ont. Moi, non, mais toi et moi, ça a toujours été difficile, même si le premier contact, tu m'as régalé. Ça a été aussi difficile avec, comment il s'appelle, Amine. Maintenant, vas-y, en vrai, c'est pas nous contre nous, c'est nous contre l'école, tu vois ou pas? Ouais. On a décelé, on a utilisé les 4 pieds de biche, vous en avez plus besoin les gars, il n'y a plus besoin de racketter qui que ce soit, vas-y on s'en bat les couilles. Beddeg, dis la vérité, vous en avez un. Je sais que vous en avez un. On a grave pas de Beddeg. Ou du moins, écoute-moi, il y en a un qui en a un. Vas-y. Bah, il l'a pas dit. Ok, moi, carré. Je te fais confiance, Moi, écoute-moi, moi j'ai pété un pied de biche à Nova, tu vois. Ouais, je sais. J'ai pris son casier et j'ai pris son pied de biche. Ok, je te fais confiance. Maintenant, je te dis, genre gros, j'ai grave pas de Beddeg. Ok, carré. Si tu veux, je peux demander aux autres pour voir si. C'est quoi? Moi, je te dis honnêtement, je vais te dire là, je vais pas te mytho, je te fais confiance. Maintenant, demande aux autres si toi, t'as confiance en eux en vrai. Ah oui. Ils ont pas. Bah, moi, ils m'ont rien dit, je peux leur demander. Non, mais. Je peux leur redemander, mais. Moi, écoute, je vais être totalement franc avec toi, John, d'accord? Quand on aura les 4 bêtes d'aigle et qu'on pourra ouvrir cette putain de pièce là, la con là, d'accord? Ce qu'il y a en dessous, il va falloir qu'on soit tous ensemble. Ok. Est-ce que t'arrives à comprendre le message dans ce que je veux te dire? Parce que j'ai capté. Parce qu'on aura besoin d'un truc que je pense, il n'y a que nous tous qui peuvent l'apporter. Nova, Jordan. Ouais. D'ailleurs, tu peux venir toi aussi. Vous pouvez venir deux secondes parce qu'elle vient de me dire un truc là. Je sais pas si vous êtes au courant. Quoi ? Non, mais toi, t'es en Ugame Plus ou quoi ? Genre, tu sais tout, frère. Tu parles de qui ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Toi, wesh. Genre, dis, faut qu'on soit tous les quatre, etc. Pour s'ouvrir, il y a quoi en dessous ? Dis-moi ce qu'il y a. Ah non, alors attends, je sais. Non, écoute. Non, je vais te dire de ce qu'on a trouvé en termes d'indices et tout, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais on doit. Tu vois les classes, les couleurs, tu vois ou pas les bails? Ouais, je vois. J'ai voilà. Cru qu'il y avait en gros, de couleurs. Voilà, c'est ça. Donc il faudra chacun, tu vois, de toutes les couleurs, de toutes les classes, tu vois le bail ou quoi. Okay. Je sais pas ce qui nous attend, vas-y. C'est quoi on aura besoin d'être tous là. Voilà, okay. C'est exactement si ce que je veux dire. Si je vois un Beddeg, contre un Beddeg, je te le dirai. Ouais, on va vous le dire. Sur la tête de la mère de John, on vous le dira. Eh, sur sa tête de sa mère aussi, je vous le dirai, c'est promis. Ok, les gars ? Ouais, ça marche. Sur la tête de ma mère. Ouais, tu nous le dis. Je vous le dis, si on trouve un Beddeg, je vous le dis. Ok, carré. Vraiment. Non, mais par contre, en vrai, je vous fais confiance. Par contre, y'a pas de bail, on se fouille et tout, c'est quoi ça ? J'ai rien dit, tu m'as entendu dire ça ? Non, mais ta pote là, elle veut fouiller tout le monde. Par contre, vous. Non, mais vous avez des trucs à cacher ou pas en vrai? C'est juste une question. Eh ben vas-y. Non, on a rien à cacher, c'est bon. On va pas passer toute la scolarité. Bien sûr, carré. Bah vas-y. Même Bachir, regarde comment il est. Non, mais voilà, j'espère que le message était clair. On arrête l'embrouille. Vas-y, ça marche. On se rejoint dans 5 minutes. Vas-y. Eh, John. Ouais. Je vous vois discuter. Bah, qu'en gros. Ouais. Jordan, ouais, voilà, ouais. Puisque tu veux toujours protéger Aziz et qu'encore j'ai dit tout à l'heure qu'il cachait des choses et qu'il me disait que. Tu te souviens quand il a dit que je devais pas la croire que c'était une mytho?
Ben, il est venu me dire la même chose sur vous. Tu sais quoi, écoute là, et elle va te raconter une petite histoire là. Mais on s'en branle de cette histoire, c'est déjà tout. Non, on s'en branle pas. Mais si, on passe à la suite, on s'en bat les couilles, réel. Bah, c'est sûrement une planque pour trouver vos skins. Non, vous manque, hein. Exactement, man. De quoi? Bah, vas-y, dis. Voilà, donc, écoute. En fait, j'étais à la bibliothèque, je le refais, j'ai trouvé une petite note, le surveillant m'a dit de ranger les papiers, et dessus il y avait marqué de chercher à côté du gymnase, dans des buissons, et j'ai trouvé 9 bouts de papier. Brandon m'en a volé 2. Ouais. Et en fait je les ai recollés, et ça forme une lettre que je peux vous donner, j'ai la photocopie. Ça dit, c'est l'aide d'un inconnu, les affaires qu'on a loot sur le petit compte de Hopkins sont dans la planque de la ventilation, mais j'ai oublié le code. Je me rappelle que c'était championne, je vous le donnerai, hein, vous verrez, il manque des morceaux. Et en gros, il explique que ça, avec ça, on va se souvenir du code et que ça, on en aura besoin pour une escapade nocturne. Les autres morceaux, c'est Brandon qui les a et les autres, c'est l'univers. Exactement, non. Donc, tu vois, quand je disais tout à l'heure que Aziz, il cachait des choses et qu'il disait rien, machin bidule, mais on s'en rend compte, mais c'est fini. Voilà. Non, c'est pas fini, c'est actuel ce qu'elle est en train de te dire là. Ah non, personne l'a ouvert, ça. C'est actuel, c'est actuel, bordel. Ouf, tes oreilles, calme-toi. Eh, Kirby, calme-toi. Eh non, parce que ça m'énerve que tu ne crois pas à chaque fois. J'ai discuté avec Brandon hier et il m'a dit qu'il avait toujours pas résolu le truc et qu'il voulait travailler avec moi, mais je le sens pas. Il m'a dit, ouais, on y va ensemble. Alors, je te donne pas les bouts de papier et quand on l'ouvre, je regarde et je te laisse les trucs dedans. Mais j'y crois pas. Est-ce que t'as moyen de donner le bout de papier à l'un d'entre nous et nous, on tombera pas dans le panneau avec Brandon? Je vais le prendre. Mais moi j'ai photocopié, je la donne. Moi depuis le début, je partage avec tout le monde. Si vous voulez, je vous donne les photocopies. Je veux bien. En vrai, je veux pas bien. Pas de soucis. Et on va pas tomber dans le panneau. C'est une lettre entière et il faut déchiffrer, etc. Non, en fait, il y avait 9 ou 10 bouts de morceaux, ok. J'ai tout récupéré sauf 2. Et en fait, quand il a su, il me les a volés. Et j'ai pas eu le temps, donc j'ai recollé tout le reste. J'ai passé une soirée entière à tout recoller. Ouais. Et il en manque 2. On donne une à chacun. C'est Brandon qui les a, en fait, c'est ça? Ah, mais c'est sûr, okay. Je l'ai vu le voler de me vendre moi et il me nargue tous les jours avec ça. Ok. Et ça, Aziz, il sait depuis super longtemps. T'en as en combien d'exemplaires, ce papier? Là, j'en ai... j'en garde une. Ouais, non, même... Ouais, j'en ai 2-3 sur moi, si vous voulez encore. Non? Moi, je veux bien voir à quoi ça ressemble. Tenez, je vous les pose. Hop, pareil. C'est bon. Moi, j'ai ce qu'il faut. Je dirais que si jamais je peux me permettre... Dis. Brandon, il est gentil, mais moi, les seules fois où il m'a parlé, c'est quand il voulait m'utiliser. Ouais, alors, sinon, non, il mais parle en, fait, jamais, en fait, Brandon, c'est un... Non, mais Brandon, c'est un petit con. On vous le dit. Et même à nous, il donne l'apparence, mais d'un côté, il travaille aussi avec nous. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Peux dire Aziz, ouais, pareil. Hein. Aziz, pareil. Aziz, pareil, si tu veux. Les seules fois où il m'a parlé, c'est... Oui, oui, man. Aziz, pareil. Oui, oui, on a compris. Oui, Aziz, c'est pareil. Regarde ça, il le sait depuis super longtemps. Le soir même que j'ai trouvé ça. Et que j'ai tout recollé, je lui ai donné. Oui, mais on s'en branle. Ouais. Et plein d'autres choses. On s'en branle, on n'a pas le choix, on doit tous travailler ensemble. Oui, bien sûr. On efface. Tu sais, je l'ai donné aussi à Bobby. Oui, mais bon. Fois, je donne des trucs, hein. Quand le mec tout à l'heure il maintient quand même que je ne dois pas la croire et qu'il fait un caca nerveux et qu'il s'énerve contre moi alors qu'en fait. C'est lui le menteur, voilà, Kirby, la manipulation Kirby, du type ou pas? Moi, on a compris. Non, s'il te plaît, Jordan. Oui, mais non, mais... S'il te plaît, tu peux confirmer là. Apaisse ton cœur, Kirby. Putain... Non, tu peux confirmer que. Non, mais pourquoi ça m'a fait passer tout à l'heure? Nova, on est d'accord. Pourquoi ça m'a fait passer? Pourquoi ça m'a fait passer là tout à l'heure? Fais pas confiance. Kirby, je te promets, on a compris. Non, bah. Et bah alors, si t'as compris. Et me fais plus ça et fais-moi confiance à un moment donné. Mais... Quand je te dis que le mec il est bizarre, il est bizarre. Point. Mais on n'a jamais dit le contraire. Ouais. Mais non, et la sauce que je me suis pris tout à l'heure. Je suis désolée tout à l'heure. Si t'as vu qu'il commence à s'énerver contre toi. S'il te plaît, allez, Bibi. Mais comme j'ai expliqué. Non, mais moi je vais t'expliquer. Non, mais vas-y, c'est bon à un moment donné. C'est les mêmes qui veulent. C'est bon, Kirby, je t'en supplie. Là, me suis pas. Arrête, je m'en supplie. Ça va, Nova. Non, arrête, Kirby, s'il te plaît. S'il vous plaît, j'en peux plus. J'entends une volance. Oui, j'entends ça dans ma tête. Tiens, arrête, venez. Mais c'est ce que je dis, j'en peux plus. Allez, vas-y. Vous cherchez les trucs là, je sais pas. Enfin, je sais même pas si. Vas-y. Moi, depuis que j'ai mis le pied à cette école, on me dit que je suis une pute alors que j'ai jamais rien fait. Les filles. Personne n'est. Non, mais personne n'est une pute et tout. Excusez-moi, j'ai entendu. Hein. Personne n'est une pute et tout. On est tous ensemble, c'est bon, vas-y. De toute façon. Non, mais les gens qui ont voulu nous la faire à l'envers, ils se retrouveront seuls au bout d'un moment. Ils ont accepté que tu les fouilles, Nova ou pas? Qui? Bien sûr que non, parce que tu lui en plus as dit à John de se barrer au moment où je demandais la fouille, donc.
Oui, mais en fait, à trop braguer. Non, mais Yellow, elle m'a confirmé. Voilà. Yellow, elle m'a confirmé qu'ils avaient rien. Et je la crois. J'ai jamais entendu. Mon hypothèse, qu'ils ont rien. Mon hypothèse, c'est qu'ils savaient même pas qu'il fallait des. Ils pensaient que les pieds de biche suffisaient pour descendre. Moi, je vous le dis, il y en a. Vous êtes un peu crédule parce que Yellow, c'est pas que je te fais pas confiance, mais tu nous as balancé pour la trappe, tu vois, par exemple. Enfin, en fait, il faut. Ouais. Moi, j'ai zéro confiance pour Yellow. En Yellow, donc, je vous le dis. Moi, je suis sûr qu'ils ont des trucs. Maintenant, chacun fait à sa sauce, tu vois. C'est pas méchant. Écoute, Yellow, je vais te parler franchement, ok. Mais y a rien, juste crier pas les uns les autres. Non, je vais parler calmement. Là, on parle avec toi. Tu nous dis que t'as qu'un petit bout de papier. Tu sais rien d'autre. T'es la fille gentille, mais t'es dans tous les mauvais coups. T'étais à la soirée. T'étais pas masqué, on t'a vu. Tu cherchais à rentrer dans des bails. Tu nous balances quand on cherche des infos pour pas qu'on devance les rouges. T'as l'heure. Quand j'étais contre le mur, tous tes potes, ils avaient des cocktails Molotov et tout, tu t'amusais bien. Donc s'il te plaît, genre juste arrête. Dis-nous que tu veux pas bosser avec nous, mais commence pas à nous faire un numéro. Je t'en supplie. Alors non, j'ai bossé. Non, je peux pas vous dire ça parce que avec Aziz, je lui ai prévenu de tout ce qui se passait à chaque fois. Et à chaque fois qu'il avait eu un souci, Bobby, c'est la même chose. Vous pouvez lui demander. Je lui ai donné la feuille. Je te parle pas d'Amine. Je te parle de ta position. Tu balanceras jamais tes potes. T'es constamment avec eux. On sait que t'as embrassé Amine. On sait qu'il y a un bail avec lui. On le sait. Genre. Mais... Tu n'as déjà... pas en information, tu n'as pas qu'un tout petit bout de papier qu'on a tous eu en main depuis 1000 ans. Et tu parles de garçons, c'est des électrons libres qui, si je leur cours pas après, ils s'en foutent un peu. Tout à l'heure, j'ai poussé ma gueulante, donc non, j'ai jamais entendu parler de ça. Voilà. Ah, je peux peut-être la comprendre un peu sur ce point-là. Oui, ouais, c'est... Voilà. Écoutez les filles, on est calmes. Juste une question, Keiko, elle a eu comment c'est... Keiko. Aucune. Attends, mais c'est vraiment des cocktails Molotov. Putain, je croyais que c'était Bien sûr, c'est elle qui a cramé la voiture du proviseur et la voiture de police. Je croyais que c'était des bâtons lumineux. Non. Ok, vas-y. Non, c'est des cocktails Molotov. Ouais, mais j'ai cru que c'était un bâton. C'est pour ça, moi, je prenais la confiance, j'étais prêt à la tarter et je m'en battais les couilles. Mais man, tu pensais que c'était quoi? Bah, des bâtons lumineux comme dans les aéroports là pour faire atterrir les avions. Malade. Non, mais je vous jure, je croyais que c'était ça, sa mère. Je croyais que c'était ça. Bon allez, les filles, on se calme, on arrête de faire les filles, d'accord? Et vas-y, nique les petits copains, nique toutes ces conneries, on s'en branle. Allez, on travaille ensemble. On va trouver les bêtes d'aigle et vas-y, on va ouvrir. Vas-y, on va trouver les... Bien sûr, on va réussir. Oh, attendez, Jordan revient. Oh, putain, voilà. Il refoule la merde. Il y a une contre-soirée ici. Écoutez, je suis sorti, écoutez-moi, merci. Je suis sorti. Je vous l'avais dit. Non, je rigole, ça c'est Cédric Dombé. Il était en train de parler, j'ai entendu une fin de phrase parce que j'arrivais en courant. J'ai entendu de chaque élève, machin. Quand je suis arrivé, il a dit tu l'as bien ken samedi, etc. Ils me prennent pour un con. Et là, ils ont dit les gars, je crois que je vais dormir. Allez dormir, hein, ça sert à rien. Ok, t'inquiète, on va dormir. Je vais camper ce truc-là. Mais qui a dit ça? Ma main qui a coupée qui vont revenir. Les trois rouges. Putain. Donc toi, Yellow, tu vas rester avec tout, tu vas aller dormir nulle part et on va attendre avec elle. C'est tout. Parce que là, si tu le dis à eux qu'on sait, c'est pas cool. Donc on va rester ici et on va surveiller. Donc vous la surveillez. En gros, Yellow la poucave, t'es kidnappé. Moi, voilà, t'es kidnappé, Yellow. Mais après, je t'aime non, bien. Non, mais arrêtez de la rabaisser comme ça. Comment vous voulez? Peut-être qu'à un moment, elle ait envie d'être gentille ou autre si on l'insulte tout le temps. Je la rabaisse pas, je viens de dire je t'aime bien, Yellow. C'est juste. Ouais, je parlais à Bobby. En fait, c'est juste c'est stratégique, mais on n'a pas le choix parce qu'ils veulent pas nous donner du lest, tes collègues, on n'a pas le choix. Donc juste gardez-la à l'œil. Moi, je propose que Bobby, Jordan, on se mette sur le terrain de stade derrière le mur et en briques. Et que vous mettez trois qui se mettent de l'autre côté. Donc à gauche du truc et trois qui sont ici à la porte pour voir s'ils rentrent par ici. Moi je vais au stade et je vais juste me permettre de dire un truc, d'accord, un dernier truc. Brandon, c'est à nous qu'il a passé les pieds de biche. C'est à nous qu'il a dit venez, on va essayer de sauver Nova. Et il vous a fait confiance, ouais. Et voilà, il nous a fait confiance de ouf. Donc mettez pas Brandon avec les rouges. Parce que si vous le frustrez juste pour vous faire chier, il va nous. Non, Brandon, il est avec Brandon, je pense, c'est tout. Ouais, voilà, Brandon, c'est un nombriliste. C'est sa gueule et personne d'autre. Par contre, attendez, moi j'étais pas là tout à l'heure parce que je me suis tordu la cheville. Pourquoi faut surveiller ici? De quoi? Pourquoi faut rester ici? Faut surveiller ici? J'ai pas compris. Non, c'est Yellow qu'il faut surveiller, sa mère. Ah. Ah, après Yellow. Hé, Yellow, t'as fait des trucs bizarres aussi, cousine, fais pas. Mais vous êtes drôle. Hey, tu te souviens pas quand t'es venu derrière la bibliothèque et que tu m'as mis un coup, tu t'en souviens pas? Non, mais peut-être ma gueule. Mais il m'a... Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était en train de taper tout le monde et parce que tu retiens, je t'ai mis un coup. Mais pourquoi tu nous as tapé?
Mais parce que vous me tapez et que tout on l'a frappé. Non, te tapez pas, non, te tapez pas, on avait juste. On voulait. Si, si, on a. Et on s'est tous frappés. Mais non, non mais. Et toi, tu subis pas te faire traiter de pute H24 du matin au soir, tu manges plus qu'à l'école. Donc au bout d'un moment, attends, non mais doucement, Yannou, doucement. Là, justement, rétablir la vérité, c'est qu'on avait pris Amine en otage derrière. Et vous, vous êtes venus comme des cow-boys pour nous taper, alors que on était en train de se le faire. C'est ça le problème. Yellow. Oui, bah et en même temps, c'est un peu normal. Non on était en train de se le faire, alors que tu l'aimes pas. Quoi avec Nova? Mais vous venez de faire quoi? Vous l'avez défendu, non? Vous venez pas de nous péter la gueule à l'instant? Arrêtez. C'est donnant, donnant. Ouais, c'est vrai que j'ai rendu. Bon, vas-y, à plus tard. Vous avez trouvé quelque chose? Chichi, on cherche. Il faut partir à la recherche Big Deg. Non, mais j'ai l'impression qu'on ne trouvera pas, les gars. Je sais pas pourquoi. Mais si, si tout le monde se met à fond, on va trouver. Bah, tranquille, nous, on continue de chercher, nous. Mais vous avez trouvé quelque chose ou pas? Non, zéro. Je peux vous demander votre avis à vous deux? Ouais. On a parlé aux rouges. Est-ce que vous pensez qu'ils sont impossibles à convertir ou. Moi, je pensais. On sait pas. Je pensais qu'il y en avait quelques-uns d'entre eux qui étaient intelligents. Ils vont peut-être. Vous n'avez pas entendu quelqu'un parler, là? Si, j'ai entendu. Attends. Il y a une moto avec... C'est qui ça là-bas? C'est qui ça là-bas? C'est Bobic. Et qu'est-ce qui branle en moto? C'est qui? Attendez. Il y a personne vraiment, là. Je sais pas, genre... Vraiment, il faut aller continuer la recherche. La Noé, il va pas être... Ouais, il faut continuer de chercher. C'est bientôt la fin de la Noé. Brandon. C'est... Là, le bout de papier, là. Dis-nous ce qui est écrit dessus, je t'en supplie. Je l'ai plus, je sais pas où il est. Non, tu l'as mis où? Non, arrête. Non, je te jure, je sais plus où il est. Mais comment t'as fait? Il est où? À un moment, j'ai vidé mon sac. Je l'ai peut-être mis en chimie. Comment ça, en chimie? Ouais, mais j'ai vidé mon sac là-bas. De mémoire, il y avait écrit quoi dessus? De mémoire, ouais. Je m'en souviens plus. Non, vous avez pas possible. Tu vas me dire que tu les as jetés. Comas. Tu les as laissés en... Ouais, je les ai jetés. Comas. Vous savez ce qu'on va faire? Rendez-vous au milieu. Je sais pas où il est, je te jure. Mais vas-y, c'est pour ça, vas-y. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, rendez-vous en plein milieu du gymnase dans 3 minutes. Il faut qu'on réunisse le maximum de points. Mais on n'avait pas rendez-vous à 25 et il est 44, sa mère. Bah ouais, oui, mais ils sont pas venus. De toute façon, il est passé le rendez-vous tout à l'heure. Moi, j'étais là à 25, il n'y a personne. Oui, ils sont pas venus. Bobby Truck, il tourne en moto. Nous, on allait aller à la bibliothèque. On s'en va, là. Gymnase, il y a qui? Il n'y a personne? Si. Mais elle est où, Nova? Je sais pas. Nova? Je sais pas où elle est. Ouais, t'es où? Nova, t'es où? Baby girl. C'est toi, je crois. Baby girl. Nova? Bah, elle est où? T'es où? T'es où? Nova? Mais elle branle quoi? Nova? Je sais pas ce qu'elle branle. Non, mais. Je sais pas. Bah, elle est où, Nova? Vous avez besoin de quelque chose? Ouais, vous avez trouvé quelque chose ou pas? Radio, range la radio. Non, on cherche là. Je peux vous poser une petite question là, les gars, vite fait? Ouais. On est d'accord que vous avez, comme tout le monde, accès à la salle là, au bout là-haut là. Là, la porte bleue. Non, pour de vrai, non, on n'a jamais réussi. Non, moi j'ai jamais réussi non plus. Les gars, il y a réunion gymnase. Vas-y, go. T'es sûr que c'est pas le truc là pour pirater, ça pourrait pas marcher ou pas? Non, parce que c'est pas à code, c'est à clé. Amine, radio. C'est à clé. Vous avez rien trouvé? Non, toujours pas. Non, mais ça veut dire qu'on peut pas avancer cette nuit, en fait. Le truc, c'est qu'on a aucune piste de savoir où est-ce qu'on peut trouver ça. Il y a pas de piste en fait, c'est ça le problème. Non, j'ai l'impression qu'on peut pas avancer là, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Mais... Réfléchissons tous ensemble là. Une piste pour trouver ces putains de trucs de bec. Les gars, je suis dans le gymnase. Genre, venez dans le gymnase sur le terrain de basket. Bah, on est là. Il parle en radio. Non, radio. En radio. Ça va, le Bob. À Lyon, nos forces, oui, essayons de comprendre où est-ce qu'on peut trouver ces trucs. Moi, je veux pas crever. T'as l'air bien fatigué, toi. Ouais, juste Bobby, Jordan, s'il te plaît. Tiens, elle est là. Tu me cherches? Ouais. Vas-y, allez parler. Au dortoir? Au dortoir. Vous faites quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, parce que je comprends pas, en fait, ce qui se passe. Pourquoi Amine est parti à droite, vous portez à gauche? Bah, on cherche. Mais y'a rien dans la bibliothèque, on a déjà fait. Bah, personne m'a dit, moi, je cherche. Non, bah je vous le dis. Et pourquoi tu me pistes comme ça? Je vous piste pas, j'essaye de comprendre ce qui se passe en fait. Bah je sais pas, nous on cherche, nous. Ok, carré.
On cherche encore, on cherche. Eh Amine, il nous ment ou pas? Dites la vérité, il ment ou pas? Moi j'ai pas confiance Amine. Mais je sais pas ce qu'il vous a dit Amine. Mais il veut parler à Bobby, qu'à Bobby, ils vont retourner au dortoir là apparemment. J'ai pas confiance. Ah. Moi, j'ai pour pas... aller chercher un truc. Comment ça? Ah, ça t'étonne pas plus que ça? Qu'est-ce que je te dis moi s'ils vont au dortoir? J'en sais rien, je connais ni Bobby. Et Amine il me parle plus depuis qu'on a essayé de lui raser les cheveux. Encore? Chaque fois qu'il me parle, il m'insulte. Bah vous vous êtes parlé tout à l'heure pourtant. Ouais, mais à chaque fois qu'il me parle, il m'insulte. Il t'a dit quoi tout à l'heure? Il m'a dit nique ta mère. Non, c'est pas sympa. C'est ça le problème, c'est que depuis qu'on lui a rasé les cheveux, il veut plus me parler. On a pas réussi en plus. Il y a toujours un putain de cadavre ici, ça me met mal à l'aise. Ouais, vas-y, moi je crois que je vais dormir, il y aura pas de bec d'aigle ce soir. Ouais, mais il y a un truc qui me trotte. Il y a une logique que j'arrive pas à suivre, Brandon. Les surveillants, ils veulent pas nous laisser. Tu vois ce que je veux dire? D'habitude, t'as vu, ils sont très stricts, ils nous cherchent dehors, c'est un merdier pas possible. Là, ça devient le désert, sa mère, et genre, ils nous laissent presque combattre, c'est presque trop facile. C'est qu'il y a un truc qui nous échappe. C'est que forcément, soit quelqu'un a quelque chose pour avancer, il le dit pas. Mais il y a un truc qui nous échappe, les gars, je vous le dis. C'est pas normal. Comment ça, quelqu'un a quelque chose pour avancer? On est juste des élèves, hein, y a rien. Les rouges, non, non, il y a un élève. Non, il y a un élève qui nous cache quelque chose. Les rouges, ils avaient, oui, les rouges, ils avaient plus d'informations qu'on croyait. Donc, c'est pas normal que les surveillants, là, ils sont en mode, c'est presque trop facile. Mais qu'est-ce que je te dise? Moi, c'est les surveillants. Ça se trouve, c'est le week-end, j'en sais rien, moi. Moi j'en profite, hein. Si c'est facile, j'en profite pour chercher partout. Ah mais clairement, faut profiter. Eh ouais, comme ça, demain, quand il y aura full restriction, bah là, on aura déjà tout vidé. C'est pas possible qu'on a ce foyer, sinon on aura trouvé Bagdad. Non, mais ça se trouve, c'est pas au voyage en Égypte. Ah. Ça sera peut-être là-bas. C'est possible. Ah oui, je dis réunion, y'a personne. Non, mais s'ils étaient tous là tout à l'heure. Bachir, toi, tu fais pas confiance aux rouges? Moi j'ai du mal, vraiment j'ai du mal, j'essaye. Ok, mais je comprends, bon. carré. Non, c'est vrai, ça fatigue. Ah bah voilà, ils sont là. Brandon, et dis à Brandon de revenir. Va le chercher, va le prendre, va le chercher. J'en ai marre de courir après aussi. Déjà, je suis le seul à le surveiller. Ouais, tu m'as parlé? Ouais, il y a un Kirby. Brandon, s'il te plaît, reste ici. Yellow, elle nous a dit que tu l'as nargué tous les jours et que t'avais les papiers, c'est bon. Vas-y, c'est bon, s'il te plaît, là. C'est bon, je pense que là, tout le monde est fatigué. Toi, t'es malade, toi. Toi, t'es malade. Demande aux filles. Si je te dis, je l'ai pas le papier. Ok. Et je me fous de sa gueule depuis le début. Et que je t'assure que je l'ai pas. Oh putain, non mais sérieux. Et elle y croit, hein, dur comme fer, man. Bah ouais, je sais qu'elle y croit parce qu'elle le veut vraiment. C'est ça le truc, c'est que tout à l'heure, j'ai dit, je l'ai pas. Tu l'as vraiment perdu du coup? Bah oui, non, je l'ai jamais eu en fait. J'ai une question. Quelqu'un a non, déjà mais tu trouvé l'as jamais le eu. Donc du coup, personne l'a trouvé ça. Quelqu'un non, mais parce qu'en plus, il y a un code. Putain, ça ne suit plus rien, moi. Qui l'a trouvé? Qui l'a trouvé? Il y a des codes. Ici, il y a un tiroir. Personne n'a jamais trouvé le code. Ah putain. C'est en rapport avec le bout de papier, les gars. Lequel? Tu penses c'est en rapport avec le bout de papier? Attendez, je pense. C'était quoi? Attendez, il faut relire le papier. Sur le papier, ça parle d'une championne. Là, il y a quoi? Il y a des trophées. Bah, sûrement, ouais. Bah oui. Mais attendez. Ils font des signes différents. Regardez. Il y en a un qui a les bras comme ça, un qui a le bras levé. Un qui a le bras non, comme ça. Non, tu vas loin, tu vas loin. Il y a juste deux statues. Je vais loin. Non, regarde, non, il y en a ça quatre dire... différentes. Elles ont aucune position. Pareil. Ok, j'ai peut-être loin dans le délire, mais on est d'accord. Baby girl. Non, mais franchement, tu peux aller loin. Ouais, mais je pense moi, que c'est quoi, juste je suis allé après. Loin, on m'a dit non, et puis au final, c'était ça. Bah, ouais, regarde. Enfin, je sais pas. Ouais, écoute, mais là moi, vous savez ce que je vois? Je vois 0-1-0-1. Allez, si on bah, doit décrire. Bah, non, j'ai essayé, ça marche pas. 0. Non, ça marche pas. Ouais, c'est vrai, on voit 0-1, bah, 0-1. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Attends. Attends, t'es devant le coffre. C'est des chiffres. Pardon. Est-ce qu'il y a écrit des trucs par Mon hasard? Petit Skittles. Et dans l'énigme. Attends, ils sont où, les attends. Autres là? Il y a écrit moi, quoi? Je pense que c'est dans la lettre, les gars. Les affaires qu'on a loot sur ce petit con in sont dans la planque de la ventile. Mais j'ai oublié le code. Que c'était champion par le. Elle est dehors. En fait, il nous manque les morceaux. Et là-bas, attends, il y en a d'autres là-bas. Ici, là. Non, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Moi, je vais. Sais pas, vous savez ce qu'il y a de bizarre en fait dans toute cette histoire-là? Dis-nous. C'est ce que je disais à Brandon. D'habitude, tous les soirs, les surveillants ils sont sur nos côtes en mode vous faut pas sortir, impossible de sortir, blablabla, extinction des feux et tout, tu vois, mes couilles. Là, bizarrement, c'est presque trop facile de sortir. Bref, c'est qu'il y a quelqu'un, je pense, qui est en train d'avancer. Et un élève et... On sait pas, tu vois. Il y a un truc qui nous échappe. Les autres. Je sais pas. Faut voir avec Brandon en tête-à-tête s'il a pas le truc. Le papier. C'est fermé.
Mais il l'a pas, Brandon, il l'a pas. Je lui ai demandé en privé, il l'a pas. Mais non. Elle est passée par où, Nova? Ah, on est où, là? Je suis perché, sa mère. Bah, ouais. On est derrière, là. Ça va, Yellow? Enfin, on est à côté ouais, des... Ça va. Brandon, Brandon, bah, il... Pour lui, Tu vois ou pas? Hein? Pour lui, il a jamais le papier, il dit qu'il t'a toujours menti. Ah non, c'est... Bah non, il savait exactement qu'il m'en manquait deux, donc non. Ce soir-là, il savait très bien. Il a eu la main pour trouver les papiers, il dit qu'il te... Comment dire ça? Apparemment, il te fait croire ça, mais il a pas du tout en fait les papiers, il les a pas, c'était juste pour te faire chier. Comment il savait? Je lui ai même pas dit qu'il m'en manquait, il m'a dit, bah Yellow, il te manquerait pas deux bouts de papier. Peut-être que c'est Aziz qui lui a dit. Non, parce que c'est le soir même où j'ai trouvé, à la minute près où je les ai trouvés. Il y avait pas Aziz. Il n'y avait que moi et lui. Bah, je sais pas, soit il ment ou soit il. Non, il ment. Il ment, c'est sûr. En tout cas, il était en train de dire que c'était toi. Voilà. Brandon, il est où? Hey Jordan, j'ai le seum, ils sont rentrés. Quoi? Qui? C'est simple. T'as vu qui est rentré dedans? J'ai vu Amine, John et. Non. Oh les ils sont rentrés. Ils sont rentrés, ils nous ont bien niqué. Mais attends, il fallait pas 4 becs d'aigle. Mais ils les avaient, gros... c'est pour ça qu'ils ont fui quand j'ai demandé de les fouiller. Personne m'a écouté, je vous l'avais dit. Non, si, ils sont rentrés à 3. Ils se seraient pas laissé fouiller. Mais ils peuvent pas rentrer à 3. Je vous l'avais dit. Ils peuvent pas rentrer à 3 normalement. Peut-être que c'est pas là la sortie, les gens. Peut-être que c'est une entrée et qu'il y a une sortie ailleurs en fait. Ouais, aussi, c'est vrai. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça, je savais qu'il y en a qui pouvaient. Mais on est d'accord qu'en fait, il y en a que 4 qui peuvent rentrer. Donc même si on se tournait. Enfin, non, on se. C'est qui qui manque là, la première fois? Non, ils sont rentrés à 3, apparemment, ils sont rentrés à 3. Mais comment ils. Comment ça? Bah, je sais pas, ils sont rentrés. Non, mais non, ils avaient les becs d'aigle en fait, Yellow, c'est tout. Bah, les roues, ils en avaient que 3 du coup. Ouais, mais ils peuvent pas faire sans la suite en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne pourront rien faire. Donc, c'est débile. Ils ont été teubés. Et rien que pour ça, Kirby. Ils sont passés là? Kirby, viens s'il te plaît. Ouais, il y en a en dessous là. Eh, je rigole pas. Hein. Oh là là. Remets la pépite dans ton casier. Personne sait que tu l'as, vas-y. Non, parce que ça, c'est. Vu qu'ils en auront obligatoirement besoin. Sa mère. Eh vas-y, ils sont sérieux. Putain, et c'est surtout qu'apparemment ils ont réussi à rentrer à 3. Hein. Je comprends pas, ça n'a pas ah de bon sens. Bah ouais. À 3. Ouais. Et ils ont trouvé des becs d'aigle, c'est tout. Donc ils en avaient. Oui, mais rentrer à 3, c'est pas normal. Mais attends, c'est pas possible. Oui, il y a tout fermé. Ah mais c'est bizarre ça. Qui c'est qui est allé en dessous, tu sais ou pas? Les trois rouges. Les trois rouges. Ouais. Mais on le savait. Mais personne, vas-y, tranquille. Et c'est pas une histoire de personne, c'est qu'ils auraient jamais donné, tout simplement, en fait. Ils se seraient jamais laissés fouiller, on savait. Moi, je savais pas. Ouais, bah, je pensais pas qu'ils avaient des becs. Et je croyais qu'il en fallait 4 pour, tu vois. Mais moi aussi, je croyais qu'il en fallait 4, mais apparemment, non. Ah bon? Ils sont rentrés à 3. Non, mais voyez, regardez les gars, à être trop gentils, on leur a juste donné la solution pour... Peut-être qu'il en fallait qu'un seul, en fait. Juste un, ça suffit. Moi je pense, Yellow, ça paraît très logique, tu sais parce que si. Mais je sais vraiment rien. Hein. Non, j'y crois pas. Crois ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est où Brandon? Déjà, ah, il est où Brandon? Bachir et Brandon. Une question, comment on a eu leur numéro de radio? Juste comme ça. Quoi? Les gars, quoi? Comment on a eu leur numéro de radio? Comment on rentre au dortoir? Bah, je sais pas, tout est fermé là, c'est bizarre. Tout est fermé, man. Putain, bah, ça va dormir dehors, hein. Ah ouais, je vous le confirme, hein, clairement. Bah, en plus, vous nous avez vu, Bobby et Bobby et Cletus. Et Cletus. Ah, tout à l'heure. Non, mais... Il est où, Cletus? Bah, on ne sait pas. Il cherchait Bobby et puis là, on le trouve. Vas-y, les gars, moi, je vais aller me coucher. Hein. Ouais, moi aussi, je vais me coucher. Là. Vas-y, la même. Bah, par contre, je dis juste que si on aurait pu y aller avec juste un seul bec de truc, bah c'est dommage. Oui, à mon avis, je pense qu'à mon avis, ça se trouve, un seul, ça suffisait. On avait déjà soulevé la plaque avec les 4 pieds de biche. Ça se trouve, un seul pied de bec suffisait. Pas besoin de. Tu vois, peut-être. Tu te rappelles? Quoi? Comment il s'appelle? Il est où là, le bleu super intelligent qui avait les pieds de biche? Ah oui, il a disparu lui aussi. Ouais, Brandon. Lui, c'est désolé, hein. Déjà, tu parles de qui, Léo? Non, mais Bobby, c'est pas, il a dit... le bleu, elle sait, Emily, de qui je parle. Tu te rappelles, Bobby, Emily? Il a dit qu'il a vu trois personnes rentrer chez lui. Non, vous savez quoi? C'est que des rouges qui sont. Non. Vous savez quoi? Pour moi, il y a Bachir et Brandon avec eux.
Tu penses? Ouais. Et Cletus, il est où, Cletus? Parce que quand j'ai voulu suivre, quand j'ai voulu suivre Brandon, à chaque fois il était en mode ah mais pourquoi tu me suis, tu sais, genre en mode ouais tu colles et tout. Ah voilà, on est. Oh, et putain. Et non non non, pour moi Brandon il est avec eux, ce bâtard. Mais vas-y tranquille, c'est pas grave. Ah merci. Grave. Bah moi. Non mais écoutez, ça prouve qu'il a menti pour les papiers et non, moi mais je le prends. C'est pas grave. Eh, on a un truc, on a un truc. Mais pourquoi ils ont. Vas-y, tu verras que la pépite d'or elle servira à rien, frérot. Tu crois? Ouais, tu vas voir. Attendez, vous l'avez mise où la pépite? Attends. Je le sens bien cette histoire, elle a pas trop. La pépite d'or va se transformer en choc à pic, frérot. Ouais, à mon avis, elle va servir à rien mais, du tout, mais man. Mais pourquoi les. Bah, parce qu'on s'est entêté sur la tête de la pépite d'or, mais ça se trouve, elle sert à rien, frérot, genre. Ça se trouve, elle sert à que dalle, genre. À la base, on pensait que c'était un truc pour le tunnel. À la base, et finalement, c'est pas un truc pour le tunnel, donc elle sert à quoi cette épice? Mais il y a un truc que je pige pas. Pourquoi les rouges, ils auraient. Ouais, mais ça rend ça. Ouais, ah, ça vous rend savez, fou. Les hommes, moi, j'abandonne. C'est triste. On devait être. Ouais, soumis. vas-y, on va au lit. Ouais, ça j'avoue. Ça fait j'avoue. Leur truc. Ouais, elle a raison. Qui s'enculent entre eux, moi, je vais en. Ouais, ouais, ça c'est beau, ça. Vas-y, on ouais, leur. Ouais. Vas-y, on se casse. Juste écoutez, les gars. Écoutez, les gars. Aussi et mon oreille. Ouais. Il faut pas regretter. On a voulu essayer de faire un truc avec eux. On leur a donné la solution en vrai parce qu'ils l'avaient pas. On leur a donné la solution. Vas-y, c'est pas grave. Non, mais attendez, juste un voilà. truc. Quand c'est vous comme les étiez trop gentils, qu'il fallait leur enculer leur mère, les fouiller, regarder. Je l'ai. Pour... Baby non. girl, je l'ai dit. Si, non, non, si, je m'écoutais. Si, je t'ai écouté, mais vas-y. Mais non, mais en fait, là, les filles, on peut pas, on va pas s'embrouiller à nous. Nova, si on t'aurait écouté, ils se seraient jamais laissés fouiller. Donc ça sert à rien en soi, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Ils sont trop entêtés, ça va que dans un sens avec eux, tu vois. Non, donc, écoutez. Ça sert à rien. Vas-y, tranquille, c'est pas grave. Bah, reposez-vous bien, bonne nuit, hein, en vrai. Merci, bonne nuit tout le monde. Allez, venez, on va aller. Tous bien volés, les gars. Ouais, on va aller se coucher, les baby girls. Putain, et la fleur des îles. À 5h du matin, je m'arrête. Casse les couilles. En vrai, sincèrement, moi je vais vous dire la vérité, c'est juste dommage en vrai. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bah, je trouve voilà. Ah, mais c'est dommage de mais, je sais pas, ça paraissait évident, mais c'est pas grave, tant pis. On aura essayé. Voilà, on a essayé une fois, maintenant on essaie plus. Et j'avoue que la pépite d'or, je pense, ça va être un Golden Grams sans sa mère. Ouais, ah, c'est dans notre cul, hein. Oh, autant la revendre, hein. On sait se faire des bijoux avec. Et après, on les revend sur eBay. Bon, en tout cas, j'ai kiffé cette année avec vous. Mais c'est fermé là. Vas-y, moi j'ai kiffé. Vas-y, les ventilations, venez. Vas-y, un par un. Allez-y. Oh. Quoi? On va vraiment dormir dehors, sa mère? L'entrée semble verrouillée, man. Des ailleurs. C'est qui qui a le tournevis? Les gens, je crois que c'est fermé. Bah vas-y, on dort dehors, c'est pas grave, au calme. Eh, hey, vous, eh, hey, j'ai un bon endroit pour bien dormir. Mm-hmm. Oh, regarde, venez, vas-y, en vrai. Personne me suit. Oh putain, j'ai cru que vous alliez me laisser flopper de fou. Non, on est là. Non, mais non, hey, vas-y, on est en train de boire. Regardez, on dort là-haut, la belle étoile. Voilà. Comme ça, on aura une belle vue au réveil. Ouais, génial. Bah, on aura une belle vue au réveil. Attends, bah, c'est beau. Voilà, carré. Ouais, voilà. C'est vrai, ouais. Ben ouais c'est vrai, carré. C'est pas mal. Eh, hey, petite tenue. Ouah, Nova, désolée. Attendez, bah, hey, voilà. Moi, je suis le seul mec, je vais m'isoler un petit peu. Girl. Vas-y, dormez. Et tu vas avoir froid, Comas. Mais vas non, on va tout chocoler, on va se réchauffer. Qu'est-ce que tu fais, cousine? Bah, je voulais voir si on pouvait pas monter encore plus haut. Ouais, par contre. Ah, tu fais la même. Allez, bonne nuit. Vas-y, bonne nuit. Ah, attends. Grâce à maintenant t'as envie, hein. Grâce à mes cours de basketballs. Bah vas-y sa mère. Allez bonne nuit. Je vous laisse dormir entre filles. Au calme. Oh pardon baby. Oh la anesthésie ça. Hein quoi? Attends, y'a eu quoi là? Prendre la queue de billard. Eh les filles, quelqu'un veut toucher ma queue? Je suis impressionné. Mais qu'est-ce quoi que tu... Bah quoi, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Mais rien, mais je parle de la queue de billard. Je suis passionné par le billard. Vas-y viens, je vais toucher ta queue. Voilà, touche cette viens queue. Viens là. Voilà, je vais toucher la queue, fais voir. Oh, dis donc. Vas-y, elle je la... est dure sa mère. C'est du tu bois. Tu peux fracasser des trucs avec ça, tiens. C'est de la cajou. Je peux fracasser des têtes. Vas-y, je vais la remettre à sa place. Allez, t'as bonne nuit. Attends, pas. C'était nul, excuse-moi. Ouais, non, franchement, en vrai, je vais pas mytho. Je suis fatigué, mais c'était drôle de fou. Vas-y, bah, c'est gentil. Vas-y. Putain. Vas-y, t'inquiète.
regular. I talk that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them. I'm not just pulling.